En même temps. Et notre populaire, c'est Batman. Robin, s'il vous plaît. Ah, et il y a moi aussi, mais moi. Je crois à la fin, parfait, à la fin de la convention, je vais vraiment me faire frapper, donc on va éviter. On a un petit appel pour absolument tous les cosplayers qui ont participé au concours de cosplay pour venir sur scène. Pour tous le mettre en ligne derrière nous. Jolie petite fille. Attends, attends, je peux faire l'appel, tu sais, en mode appel officiel, original, tu sais. Toum, toum, toum. S'il vous plaît, les cosplayers qui ont participé au défi des cosplays sont priés de se rendre à la scène. Je te laisse. Allez, c'est quoi ton problème, toi? Pourquoi tu casses mon discours là-haut? La musique, c'est bien. Ouais, j'y sais. Hein. On veut se défiler, on veut savoir qui c'est. Moi, je veux savoir avec qui je pars au Japon. Je te casse pas. Mais si, il y a deux personnes, donc il y a la personne qui a gagné et moi. C'est pas ça? Non, c'est pas ça? Mais si, quand on a signé le contrat, tu m'as dit, Dylan, écoute-moi bien. Tu m'as pris par l'épaule comme ça, tu m'as dit, Dylan, écoute-moi bien. Il y a un voyage au Japon à gagner, t'es sur scène, présente la scène et après tu vas avec le gagnant. Tu me dis ça comme ça. Rappelle-toi, on n'avait pas stylo, du coup on n'a pas signé. Putain. Voilà, voilà. Donc, morale de cette histoire, quand vous signez un contrat, ayez un stylo sur vous, d'accord? Bah, généralement, sans stylo, tu signes pas. Ouais, bah, justement, on a peur, tu vois. Ah, bah, excuse-moi. Deuxième petit rappel pour les cosplayers, pour qu'ils puissent arriver dans cette ambiance chill, détente, tout va bien. On n'est pas rien, là. On n'est pas rien. On est à côté, c'est la fin, c'est très simple. On est bien, on est bien. Mais toute bonne chose a une fin, tu vois. Et en attendant, est-ce que vous, là, personne publique de Cosgeek, est-ce que vous avez bien aimé cette convention? Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous allez revenir s'il y a une prochaine édition? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je vais dormir devant la salle. Moi, j'attends là tout de suite. Ah oui, let's go. T'as un an pour dormir, ton meilleur sommeil. Alors déjà, je tiens quand même. Regardez-moi comment c'est cool. À ce que vous pouvez applaudir de la meilleure force que vous avez, les cosplayers. Il le mérite. Surtout les robes. Franchement, j'ai envie d'installer un matelas. J'arrive pas bien. S'allonger. Vas-y, let's go, s'allonge. On est pas bien là. Ah bah, reste là. Quelqu'un est déjà perdu. Jordi, je te laisse présenter tes partenaires. Grâce à qui on a le droit de merveilleux cette année. Bien sûr. Alors, pour le lot de la troisième place, on remercie grandement Cosmedy, représenté par Ophélie, du jury. Pour applaudir bien fort, s'il vous plaît. Qui ont leur stand de tout droit juste derrière vous, d'ailleurs. Coucou. On arrive le dîner, comme coucou, ça va? Ouais. Restez vieux. Alors, je rappelle, la troisième dotation, tout simplement 100 euros en bon d'achat. On utilise en deux parties 50 euros à utiliser chez leur partenaire. C'est qui son partenaire? Cosplay Shop pour du matériel cosplay et le second de 50 euros toujours pour l'achat de maquillage professionnel chez Macro. Voilà. Ce qui pour des cosplayers, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est franchement génial. Juste justement là, tout ça, ces cosplays-là, ça n'a pas coûté 10 euros à AliExpress ou dans le jeu, c'est des trucs travaillés. Là, donc c'est pour ça que justement, c'est. Voilà. Pour le second lot du concours cosplay, on remercie l'espace culturel de Varennes-sur-Seine qui offre généreusement une Nintendo Switch. Voilà. Je rappelle par ailleurs que vous avez normalement tous rempli un petit bulletin que vous avez glissé dans Lyon, juste à côté du plein. Par deux bien fort, oui. Déjà, on peut applaudir bien fort quand même le centre culturel, s'il vous plaît. Parce que deux Nintendo Switch quand même. On n'offre pas deux Nintendo Switch comme ça à n'importe qui. Encore merci à Leclerc. Et pour. Pardon. Ceci, je le rappelle, un voyage au Japon pour deux. Le premier lot. Le premier lot du concours cosplay cette année. Yes. On fait les choses en grand. Bah oui. Et pour cette dotation, on s'est retourné vers notre premier partenaire historique, Espace Geek, représenté par Michael ici. Avec sa magnifique. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Avec sa magnifique. Avec la gueule. Ah oui. Qui va tellement bien. Ah oui. Donc merci énormément à Espace Geek de parrainer cette dotation. Donc, je pense que les applaudissements peuvent passer
Okay, au classement du podium. Au classement du podium. Oui, podium. Podium. Bien sûr. Podium, ça fait être partout. Tout à l'heure, j'ai dit. Je crois que t'as encore peur de tout à l'heure. Faut boire. Bah oui. Alors, le numéro 3, les amis. Le numéro 3. Alors, attendez. Petit roulement de tambour de la lumière. Le numéro 3. Il y en a qui sont pressés là. Ils veulent savoir ce qu'ils écoutent. Alors, le numéro 3. Pour la première place, la personne qui remporte du coup notre dotation est 100 euros en bon d'achat. Cruella. Magnifique troisième place. Belle prestation, merde. C'est moi qui parle. Félicitations à toi. Alors pour la deuxième place, numéro 2. Allez, restons dans le disque. Pour une Nintendo Switch avec sa boîte. Avec la présentation, avec le madame. Non, mais bien fort, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Parce que venir sur scène avec une Nintendo Switch et ne pas se faire agresser, c'est quelque chose en noir. Alors, personne en seconde position, j'adore cette ambiance. C'est trop chill. C'est un duo. C'est un duo Disney. Ah. C'est Aurore et Philippe. Que pas venir bien fort, s'il vous plaît. On ne veut pas faire du tout seul. Désolé, il n'y a qu'une seule console pour vous deux. Il y a un Joy-Con de chaque. Aurore, t'as la bleue, et toi t'as la rouge. Ça va. Ça va, vous devez avoir, s'il vous plaît, quand même, pour la deuxième place. Et pour la place numéro 1. Bon, la première place. Le voyage au Japon. Je vais faire un petit peu de suspense quand même, parce que c'est une notation vraiment exceptionnelle, on le rappelle. Est-ce qu'on n'en aurait pas un roulement de tambour au public? Non. Un roulement de tambour au public, les amis. Voilà. C'est bon. Ouais, alors, pour la première place du concours cosplay de CosGeek 2022, est remportée par le chasseur. Et là, l'émission du chasseur, s'il vous plaît. Il a gagné un voyage pour deux personnes au Japon. Du coup, il peut peut-être s'en dans ses valises. On en parlera tout à l'heure, je vais négocier. Voilà. Ah là là. Un petit mot. Merci beaucoup. Putain, merci, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Merci au jury, merci à tout le monde. Ça fait trop de temps faire un concours comme ça, j'ai trop de souffrir quoi. Merci, vous avez kiffé sa prestation. Merci à toi. Attendez. C'est pas fini. Il y a du mystère. Oui. Oh mon Dieu. Il reste notre coup de cœur. Ah, parce qu'il y avait un prix spécial coup de cœur. Mais oui, parce que l'un des candidats venait tellement de voir et trop. Okay. Donc il y a un lot spécial. Il y a un lot spécial que j'ai pas physiquement dans les mains, mais que il y aura physiquement dans ses mains tout à l'heure. Ah, Karaké, non j'ai pas vu. Avant de commencer, je tiens à dire à tous les participants que vous aurez des petits lots de consolation parce qu'on vous remercie très 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 fort. Merci à tous et vous êtes restés pour ce concours. On peut les applaudir bien fort, bien fort, vraiment bien fort. Merci à tous. Il y a tout notre amour qui va dans le participation. Ouais, c'est ça. Coup du cœur. La personne, parce que du coup il est tout seul, qui a eu le plus d'impact dans nos Kokoro, le vôtre aussi, on s'en est rendu compte. Kokoro, ça veut dire cœur en japonais. Ouais, c'est effectivement, pardon. C'est quelqu'un qui a dansé sur scène. C'est notre idol, Kakeru. Kakeru? Qui a disparu le petit point. Mais oui, il est où? Il est là-bas, il est caché. Ouais, allez, ouais. Il est là, s'il vous plaît. Allez, allez, parce qu'il a réussi une fois à chauffer le public. C'est ton moment, là, il faut. Applaudir bien fort, s'il vous plaît. Vraiment, ça me fait chier. Vraiment. Vous pouvez bien la prise. Pour autant d'énergie sur scène, on te fait plein de bisous. Mais de loin.
En fait, t'as que ça comme cadeau. Ouais, des bisous de loin. Des bisous de loin. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a notre nom de cœur qui t'attend là. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez adoré ces prestations? Ouais. Est-ce que vous avez adoré le défilé? Ouais. Bah, bonne soirée. Non, c'est pas vrai. Et moi, je dois commencer One Piece. Déjà, ouais, voilà. Parce que grâce à vous, Cosmic a enfin atteint le seuil des 2000 visiteurs en un week-end. Mais enfin, avec les 2000 sur le week-end, c'était génial. Merci aux bénévoles, aux exposants, aux partenaires, aux invités, à tout le monde. Merci à tous. Merci aux jurys d'avoir participé, de nous avoir aidés à délibérer. Merci beaucoup d'avoir fourni les lots. J'en ai plus les lots. Merci. Mais en fait, depuis tout à l'heure, t'as plus les lots, je pense. Ouais. C'est vraiment bien. Donc, merci à vous. Quand vous souhaitez bien fort, de vous applaudir bien fort d'être venu ici. Par contre, le Cosmic d'exister. Ça va faire de personne, mais moi, depuis tout à l'heure, à gueuler. Vous faites un wow pour la caméra qui est en train de filmer un live, s'il vous plaît. Wow. Ouh. Allez, on veut du son. Cosmic, qu'est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas content là? On n'est pas bien, non? On est bien. Ça va, c'est bon. Faut négocier, je vais venir avec toi. Du coup, j'invite les cosplayers à venir au stand de Karine Thierry là-bas. Une grosse valise, enfin. Bah, ça va, ouais, t'as vu. Honnêtement, à mettre sur un mètre, moi ça va, ça t'avance rien. Bah, ça passe, hein. Ouais, let's go. Moi ça va. Je mets beaucoup de bouche, je vais mettre pas, ça passe. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette cause geek. Peut-être que si on a encore du temps. Est-ce que ça serait pas le moment d'annoncer, tant qu'il y a encore du monde, les dates de la prochaine édition? Ah, parce que tu les as en plus. Ouais, on est en avance. Ah ouais, mais beaucoup. On a la prochaine édition. Alors, est-ce que vous voulez les dates de la prochaine Cosmic, les amis? Ouais. Est-ce que vous voulez... Non, vous êtes déjà préparé un cosplay pour le concours? Ah ouais. Ah, ça passe. Ok, alors en fait, la prochaine Cosmic, c'est demain, c'est après demain. Si vous pouvez rejeter cette nuit. On va peut-être dormir entre temps. Ah, non, le sommeil c'est superflu. Bon, je te laisse annoncer les dates, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, du coup, rendez-vous en 2023, les 22 et 23 avril. Voilà. Au Majestic, plus ici, on ne fera plus de convention dans cette salle. On déménage au Majestic, juste à côté, une salle de 2000 mètres carrés qui est prête toute neuve à vous accueillir l'année prochaine. Merci à tous. Wow. Maintenant, j'invite tous les cosplayers qui ne l'ont pas fait à venir sur le stand des capteurs de l'imaginaire pour prendre vos photos, pour en prendre en photo vos cosplays qui sont magnifiques. C'est ça, c'est le stand des photos qui est juste à côté de la partie restauration. Et d'ailleurs...